Bonjour, me revoilà pour une vidéo. Ça fait plus de 1 an que je ne fais plus de vidéo. Je pense parce que je n'avais plus envie. Un peu déçue de certaines personnes aussi. Et puis bon, pas comme tout le monde, le travail, le quotidien de la maison et tout. Comme je vous dis, j'avais plus du tout envie de vidéo. Malgré que je ne fais plus de vidéo, je voudrais remercier les personnes qui continuent à s'abonner. Parce que je me suis aperçue qu'il y avait des personnes qui s'abonnaient toujours et les personnes qui m'ont demandé de refaire des vidéos. Alors comme je pense comme Gaëtan qui m'avait demandé et d'autres personnes aussi qui m'ont demandé. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo achat action. Si dites-moi-le si ça vous plaît ce genre de vidéo parce que je vous en ferai peut-être pas toutes les semaines parce que mais je peux vous en faire de temps en temps une petite vidéo achat. Et puis aussi, je voulais vous dire que j'ai réaménagé tout mon atelier. Il n'y a plus rien à voir avec ce qu'il était avant. J'ai racheté des meubles pour faire des rangements mieux que ce que j'avais avant. Alors dites-moi si ça vous intéresse, une vidéo sur mon atelier. Et je voudrais remercier une petite abonnée qui s'appelle Lilou. Qui me regarde. Elle est toute jeune, cette petite abonnée-là, mais elle aime bien mes vidéos. Alors voilà, Lilou, je te fais une vidéo. Je pense que ça te plaira, hein, parce que tu me réclames tout le temps. Ben écoute, Lilou, je te fais une petite vidéo pour toi aussi. Écoutez, je vais vous faire comme vous dit, la petite vidéo achat-action. Alors, comme je regarde quand même vos vidéos, les unes comme les autres que vous faites, hein. C'est vrai que Action, je ne sais pas, mais il n'y a plus grand-chose. Hein. Moi, j'ai été sur 2 jours. J'ai été jeudi. Hier, vendredi, ma belle-fille m'a encore emmenée. Voyez, je ne sais pas si vous voyez vraiment ce qu'il y a sur la table, mais sur 2 jours, j'ai ramené que ça. Chez Action, j'ai même demandé à un vendeur quand il fallait exactement venir. Il m'a répondu, écoutez, madame, on est livré tous les jours et on remet en rayon tous les matins. J'ai dit je veux bien, mais moi à chaque fois que je viens, il n'y a jamais rien. Vide. Hier, j'y étais avec ma belle-fille. J'ai juste trouvé quelques tampons que je vous montrerai. Les nouveaux, je pense. Parce que. C'est tout. Parce que voilà, il n'y avait pas grand-chose. Alors, on va arrêter de bavarder et puis je vais vous montrer. Alors par contre, j'ai trouvé dans le rayon outils pour les hommes, là, une petite boîte comme ça pour ranger mes attaches parisiennes. Parce qu'avant, j'en avais, mais ils n'étaient pas faites comme ça. Là, maintenant, c'est pas mal. Ils sont montés l'une sur l'autre comme ça. Et on abaisse les petites pattes comme ça. Et voilà, ça vous fait 2 petites boîtes. Et donc là-dedans, je vais ranger mes attaches parisiennes parce que j'en ai pas mal et ça fait un peu le même système que j'avais avant mais sans qu'ils n'étaient pas superposés. Donc la boîte elle est le lot de deux hein, forcément. Voilà, l'ensemble était à 1,99. Voilà pour ça. Après j'ai trouvé c'est la seule et unique celle-ci. Voilà, ça je vous dis plus hein, vous connaissez, c'est pas nouveau hein. Bon voilà ces petites stickers 3D comme ça. J'ai trouvé une seule boîte de fleurs mousse comme ça. Il n'y en avait qu'une. J'aurais bien aimé en avoir plusieurs, mais j'ai eu que celle-ci. Pareil, je vous dis pas le prix parce que vous connaissez, hein. J'ai trouvé un kit comme ça. J'en avais déjà acheté un que j'ai fait en album. Je vais vous montrer d'après la vidéo de si je me trompe. Trompe pas, pardon, de Sandrine qui avait donné ça, ce petit album là. Voilà, avec sa petite ficelle, comme ça, et puis des petits tags comme ça. Voilà, elle avait transformé ce kit au lieu d'en faire des cartes d'anniversaire. Et elle avait fait un petit album. Comme je vous dis, malgré que je fais plus de vidéos, je suis quand même les vôtres. Voilà, pour faire ce. Donc j'ai acheté ce petit kit là parce que j'ai une demande de petit album. Alors donc je vais le refaire avec ça. Voilà pour ça. Je ne vous ai pas dit le prix parce que comme on dit, hein, vous connaissez. J'ai acheté du double face pour tapis. Il est quand même assez bien. Il colle bien. Question de ça. Ouais. Voilà, j'ai acheté ça.
Vous savez, il n'y a pas vraiment de choses mirobolantes. Hein. Donc mes fameuses attaches parisiennes, que ces deux-là. Parce que, voilà, il n'y a rien d'autre. Hein. Voilà pour ça. Donc les feuilles squelettes, pareil. C'est pas, c'est, je vous dis pas les prix, vous connaissez. C'est pas, voilà, que ces deux-là, parce que c'est pareil. Il y avait ces deux-là. Donc les petits clous métal, comme ils appellent. Ben, j'ai pris ces deux-là, pareil. Bon, j'en avais déjà pris une fois. C'était des petits cœurs et puis une autre forme que ces deux-là. Ben, j'ai repris ces deux-là. Voilà, les petits rubans de satin. J'ai trouvé quand même, depuis tant que j'ai cherché, j'ai quand même trouvé. Donc ça, c'est les petits pois. Les petites étoiles. Les petits traits. Et voilà, tout se renverse. Et les petits triangles. Voilà. Mais je vous dis, hein, y en a, j'ai pris les trois boîtes et vous savez, il n'y en avait pas plus. Hein. Alors je me suis dit, je vais faire comme certaines. Ben, on va prendre tout. Hein. Tant pis. Donc, ces fameux petits blocs-là. Donc, c'est pas pour moi, c'est pour ma fille. J'ai réussi à y avoir les 6. Par contre, il y avait les 6. Pareil, je ne vais pas vous les, hein, les montrer. Vous les connaissez tous hein, maintenant. Voilà, des petits blocs comme ça que j'ai réussi à avoir. Un seul paquet pour ranger les cartes. Voilà, un seul comme ça. Par contre, ce qui, je crois qui doit être nouveau, ça doit être ça. Voilà, les diamants stickers, qu'ils appellent ça. J'en ai trouvé 2 paquets comme ça. Ça, jusque-là, je n'avais jamais vu. J'en ai trouvé, j'ai pris ces deux paquets-là, et de toute façon, il n'y avait que ces deux-là. Alors, ils appellent ça des diamants stickers. C'est, on va en déballer un, je m'excuse du bruit à l'avance, hein, parce que c'est vrai que c'est, quand on déballe, ça fait un bruit du tonnerre. Voilà, ça donne ça. C'est sur une petite feuille plastique. Et puis, voilà, vous pouvez décoller les petits bazars, là. Voilà, j'en ai pris 2, de toute façon, il n'y avait que ces deux-là. J'aurais pas pu en prendre plus. Voilà, et ça, c'est, je sais plus le prix, c'était à, je crois que c'était 50 centimes, non, 62 centimes. Ouais, 62 centimes, le petit diamant comme ça, ça ressemble un petit peu à des smileys. Voilà, ça. Et puis, bon, je sais pas si ça vous intéresse, hein, ça me... les bougies pour les moustiques, voilà. Et puis les, voilà, ce que j'ai trouvé, les tampons bois. Bon, je vous montre cela, mais il y en avait plusieurs. Il y a des modèles que j'ai pas pris parce qu'ils me plaisaient pas. Alors je me suis dit, pas la peine de les prendre. Donc il y a cela. Je sais pas. Cela, des petites fleurs. Bon, on va dire un petit arôme avec une marguerite. Et ils étaient tous à 0,99 centimes. Voilà, cela. Celui-là, j'aime bien. Une petite fleur comme ça dans sa fougère, on va dire de la fougère avec petite fleur. Voilà. Un petit attrape-rêve comme ça. Voilà. Un papillon. Comme ça. Là, c'est le. Il y en a 2. Étiquette et puis un petit pot de. On va dire de confiture, admettons. Hein, voilà. Celui-ci. Là, c'est encore un petit attrape-rêve avec le papillon. Voilà. Là, c'est des petits fanions. Mais ils sont, on peut les séparer. Hein. Ils sont, c'est pas, voilà. 3 petits fanions. Voilà. Là, ben, ampoule, verre de jus d'orange ou de jus de fruits. Petit appareil photo. Pareil, on peut, c'est séparable tous les 3. Hein. Voilà. Les petites plumes, tu trouves jolies, assez jolies. Là, il y en a 2, hein. C'est, on peut les séparer. Attendez, on va prendre. Je m'excuse hein, si je passe devant, excusez-moi. C'est pas très. Voilà. Des petites plumes, voilà, c'est comme ça. Il y en a 2. Et puis là, comme je vous disais, ben, on peut laisser. Voilà, c'est comme ça. Vous en avez 3 dedans. Et puis ceci, voilà, ananas, petit cactus, des petites feuilles, le mot créative,
Ça, je vous le dis pas parce que je sais pas parler l'anglais. Alors on va passer, hein, on va le passer. Voilà. Et puis ici, pareil. Hein. Ça, je vais vous le montrer quand même. Ça serait quand même mieux. Vous avez ce mot-là, la petite tranche de pastèque, les petites glaces, la petite glace, le mot, hein, vous le lisez vous-même si vous savez lire l'anglais, parce que moi je ne le dis pas, et puis sa petite tasse de thé, voilà, dans sa petite bulle, voilà, et ben voilà, pour les achats actions, vous voyez, c'est pas, alors pas de papier, vous savez les grands blocs de papier, là, il n'y en a pas, même les autres 15 sur 30, il n'y en a pas. Ben il n'y avait rien, voilà, il n'y a rien du tout, et pourtant j'y étais sur 2 jours, je vous dis jeudi, vendredi, et voilà ce que j'ai ramené, pour vous dire. Bon, il y a autre chose, mais ça va, je ne vais pas vous les montrer, parce que ça va être des produits d'entretien, un tapis pour, un panier pour chien, vous voyez, mais à part ça, à part dans le scrapbooking, voilà ce qu'on va dire, dans le loisir créatif, voilà ce que j'ai trouvé. Et je vous dis, j'ai pas d'album, pas les grands, ni les plus petits, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et pourtant, je vous assure, le caissier, le jeune, il m'a dit, si, c'est livré tous les jours et on en met tous les jours. Ben, je ne sais pas à quelle heure qu'il faut y aller. Moi, je sais que je peux y aller les après-midi, mais pas tous les après-midi. Alors, je ne sais pas. Ben voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais sinon, je fais beaucoup de choses, hein, même si je ne fais pas de vidéos ni rien, je fais beaucoup de choses. Et puis aussi à la rentrée de septembre là, je vais faire des activités, je vais être démonstratrice d'activités dans ma commune. Je vais gérer des ateliers pour des loisirs créatifs. Alors ça sera couture, scrapbooking, déco, tricot aussi. Il y a des personnes qui m'ont demandé du tricot. Alors donc à partir de septembre, ben, j'animerai des ateliers dans ma commune. Voilà, voilà. Et puis sinon, ben, si je fais des choses, comme je peux vous en montrer. Hein. Voilà, les fameuses boîtes que je fais, que vous connaissez, que j'en ai déjà envoyé à certaines personnes. Hein. Voilà, mes boîtes de cappuccino. Ouais, mes boîtes de cappuccino quand elles sont vides. Au départ, ben, c'est ça, hein, mes boîtes de cappuccino. Voilà, hein. Et puis ben après ben je les customise. Voilà, voilà, ça donne ça une fois. Mais bon, je vous dis, hein, vous connaissez parce que j'en avais envoyé à certaines personnes déjà des boîtes comme ça. Voilà, donc ben, le petit j'ai fait ça d'après une vidéo de, si je me trompe pas, c'est l'atelier de d'Edith, si je me trompe pas. Je crois que c'est ça, qui avait fait cette poupée, hein, avec un livre. Donc j'ai essayé de la refaire. Et écoutez, c'est pas dur du tout à faire. Puis c'est agréable à faire. Moi, pour moi, hein, j'ai trouvé agréable. Avec une. C'est pour une vraie Barbie. Hein, vous savez, c'est les Barbie plastiques. J'ai trouvé ça 1,49€. Mais oh, je trouve que ça a son rendu, ça a son charme quand même. Ça donne ça. Ben si, j'ai trouvé. Et justement, dans l'atelier que je vais animer, ben, il y a des personnes qui m'ont demandé de leur expliquer, de faire ça. Voilà, j'ai donc fait ça. Et puis, un petit album comme ça. Voilà, ce petit album-là, c'est une amie qui m'a appris à faire ça. Parce que une fois par mois, je vais chez une amie qui fait énormément de scrap aussi, et de temps en temps elle m'invite, je vous dis, une fois par mois je vais chez elle et on fait du scrap, on scrap. Alors donc ça, elle m'avait appris à faire ce petit album là. Bon, là j'ai pas de photo, j'ai rien mis, mais voilà, c'est une petite boîte faite comme ça, petit album fait comme ça, et avec voyez, hop, comme genre cascade, voilà, comme ça. Mais je vous dis, je n'ai pas mis de photo pour le moment. Et ça tient avec une épingle à nourrice et des petits rubans. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ben, voilà. Ah si, j'ai une petite carte aussi qu'elle m'a appris à faire. Ce genre de petite carte-là, j'ai bien aimé aussi. Ça donne ça. Et quand on l'ouvre, c'est ça. Voilà.
et vous mettez votre petit mot dans cette partie là. Voilà, dans cette petite partie là, ben vous écrivez votre petit mot, soit un petit mot d'anniversaire, un petit mot de remerciement, ce qu'on veut. Et là, vous avez un petit tag. Voilà. Voilà. Ça, si j'ai fait ça, ben je vous dis, avec mon amie, quand je vais chez elle, elle m'apprend à faire des petites choses comme ça. Voilà, et ben écoutez, je vous dis, si vous voulez que je refasse la vidéo sur mon atelier, ben laissez-moi un commentaire et puis j'essaierai de vous la faire. Mais je vous dis, hein, je vais pas vous faire une vidéo toutes les semaines, hein, parce que avec le travail, comme je dis, la maison et tout, puis là, en plus de ça, je cherche énormément d'idées, parce que vu que je vais animer l'atelier, il faut que je cherche des idées aussi, hein, pour faire aux personnes. C'est bien beau de se mettre, mais après, il faut les idées, hein, qui suivent derrière. Voilà, bah, je crois que c'est tout ce que je peux vous dire. Hein, voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que ma vidéo vous plaira. Et puis, que vous êtes contente de m'avoir un peu retrouvée. Et je vous dis encore merci aux personnes qui s'abonnent, même malgré que je ne fais plus du tout de vidéo. Voilà, Lilou. Et bah, je te fais un gros bisou, Lilou. Hein, et Tata Coco va bientôt arriver. Hein. Alors, t'inquiète pas. Allez, au revoir, Lilou.